Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment connecter votre Orcam Read, smart ou non smart, à votre réseau Wi-Fi pour faire correctement les mises à jour quand il y aura des mises à jour. J'avais déjà fait donc différentes vidéos sur l'Orcam Read. L'Orcam Read est un stylo scanner équipé d'une intelligence artificielle. L'Orcam Read est donc capable de lire tout texte dactylographié, que ce soit sur des produits de la vie quotidienne, des boîtes de médicaments, ainsi que n'importe quel texte dactylographié. Donc, votre Orcam Read sera capable de lire et d'effectuer de la numérisation sur tout support dactylographié. Technologie à l'arrière-plan va-t-elle être oubliée jusqu'à... Elle fera son retour à la fin des années 1920. Alors attention, ne jamais toucher l'objectif, la version 9 est très sensible, et éviter les poussières. Vous pouvez lui demander de lire les dates, les numéros de téléphone et bien plus. Alors bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. On va tout de suite passer sur le site orcam.com et je vous montre comment connecter votre Orcam Read au réseau Wi-Fi pour les mises à jour. C'est parti. Rejoignez cette chaîne. Voilà, donc tout de suite, vous allez vous rendre sur Safari si vous avez un Mac ou vous allez vous rendre sur Internet si vous êtes sous Windows. Safari a une nouvelle fenêtre. Vous allez donc vous rendre sur Ouvrir une adresse. Et vous allez marquer http://orcam.com qui va vous faire tomber directement sur la page d'accueil d'Orcam. On est tombé instantanément, on voit en très gros sur notre page notre Orcam Read. On va maintenant mettre cette page en français. Vous allez donc vous diriger en haut de votre page sur le côté droit et vous avez donc dans la barre des choix English. Vous allez cliquer sur ce bouton et ici apparaîtra les différentes langues pour convertir le site. Nous, bien sûr, on va le mettre en français. Français, lien. On va donc mettre le site en français. C'est parti. Une fois le site mis en français, vous allez donc vous diriger sur espace utilisateur. Espace utilisateur. Ensuite, vous descendez sur espace utilisateur Orcam My Eye. Espace utilisateur Orcam Read. On va donc se diriger sur espace utilisateur Orcam Read. Bienvenue dans l'espace utilisateur. Une fois ceci fait, on va donc rechercher l'endroit où on peut connecter notre Orcam Read. Configuration en ligne. Ensuite, vous recherchez le texte Configuration en ligne. Besoin de configurer votre Orcam Read, paramétrer la connexion Wi-Fi de votre produit. Et vous allez donc avoir ce bouton Régler le Wi-Fi, lien. Régler le Wi-Fi. On y va tout de suite. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, on arrive sur cette page. Régler le Wi-Fi. Veuillez saisir vos informations d'identification Wi-Fi. On vous demande donc de saisir dans deux champs différents vos informations Wi-Fi. Attention, il faut absolument être le plus efficace possible à la virgule près. Si vous êtes sur une Livebox-46C4, que ce soit le L de Livebox en majuscule, le moindre tiré, la moindre virgule, la moindre majuscule, le moindre point est ultra important. Nom du réseau. Donc vous avez un premier champ qui vous demande le nom du réseau. Vierge, modifiez le Livebox 46C4, réseau sécurisé, 3 barres. Alors ici je suis connecté donc sur cette Livebox. C'est parti.
Donc, vous marquez correctement le nom de votre Livebox. Donc, j'ai mis une majuscule à mon L, tiré. 46, c'est majuscule. 4. Donc, au niveau du nom du réseau, j'ai mis le nom de ma Livebox 46C4. Vous faites une tabulation. Nom du réseau, mot de passe. Et vous avez le mot de passe. Modifier le texte sécurisé. Vous tapez tout de suite le mot de passe. Afficher le mot de passe. Vous pouvez éventuellement afficher le mot de passe si vous n'êtes pas sûr de votre mot de passe. Générer un QR code. Et dessous, vous avez donc le bouton « Générer un QR code ». Je fais tout de suite. Voilà donc, une fois que votre code QR est apparu sur l'écran de votre ordinateur, vous branchez l'Orcam Read. Chargeur connecté. La batterie est chargée à 80%. Une fois que vous avez entendu ce message, tout simplement, vous allez viser l'écran de votre PC et vous allez demander à votre Orcam Read, en appuyant deux fois rapidement sur le bouton Scan, de numériser le code QR. Code QR. Reste connecté au réseau Livebox 46C4. Le signal est faible. Voilà donc, votre code QR est numérisé et votre Orcam Read est connecté au Wi-Fi. Voilà comment connecter votre Orcam Read à votre Wi-Fi pour faire les mises à jour correctement. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr accessible. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.